Et ses auditions, alors? Oui, Monsieur Scrooge. C'est fou qu'il n'y ait pas plus de premiers rôles masculins dans notre comté. Ça se rafraîchit un petit peu ici. Génial, je suis très contente. C'était excellent. Riley, j'aimerais qu'on se voie une petite minute. Ce sera le tout dernier spectacle de la saison. Je vends le théâtre Nota. Sincèrement navré. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Qui êtes-vous? Désolé, je m'appelle Sam. Attendez, ça y est, je sais qui vous êtes. Vous êtes la star de cinéma Sam Campbell, c'est ça? Adam, le neveu de Regina, d'adorables inconnus? Oui, lui-même. Ça alors, si c'est pas Sofia Coppola. C'est une véritable star de cinéma. Il est là pour 2 secondes et ensuite il rentrera à LA où l'attendent probablement 1 million de filles trop sublimes. Moi, je te garantis qu'aucune d'elles n'est aussi acharnée, aussi talentueuse ou aussi intelligente que toi. J'ai toujours voulu jouer dans ce théâtre. Vous devriez passer l'audition. Désolée que Regina se soit montrée si agressive. Elle n'était pas comme ça avant. Je sais. Regina serait complètement folle de vendre le théâtre après la recette des billets. Et ça dépasse ma petite personne. Ce spectacle et ce théâtre, ils apportent la joie dans les cœurs et une bonne dose de chaleur à tous les habitants. Qu'est-ce que tu fais debout? On est au milieu de la nuit. J'essaie de trouver un moyen de sauver le théâtre. Distribution intéressante. Sam dans le rôle de Cratchit. Ne te fais surtout pas d'illusions. Enrôler Sam ne change rien à rien. Monsieur craque pour la metteuse en scène et oublie que nous avions passé un accord. Tu t'es fait passer pour le gentil neveu innocent dans cette histoire. Je suis désolé. J'y ai cru naïvement à un moment. Je me suis dit que je pouvais lui faire changer d'avis. Je me rends compte maintenant. Le public, les acteurs, tous les participants ont le sentiment de partager une expérience unique. Qu'est-ce que t'en dis? Que Dieu nous bénisse!